niggas f***ing animals. Then you and my friends would hang out on the week. Hi, bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo haul. Donc je vais vous présenter mes derniers achats que j'ai fait pour Mila ces derniers temps. Donc on va commencer par la plus grosse chose. Hop. Et il s'agit d'une rampe pliable qui c'est pour préserver les articulations. Hop. Et cette vague est payée 69,90€. Ensuite, je vais faire les jouets tout de suite. Donc en jouet, j'ai acheté une halter en bois que j'ai payé 4€ à Jardizo. J'ai acheté à la même personne, j'ai acheté 3 tugs et un snood. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en barre d'infos. Donc j'ai acheté celui-là à 4 branches. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Donc ça, il me semble que c'était 3€. Ça, il me semble que c'était 3€ aussi. Et ensuite, j'ai acheté deux snood. Donc, il se présente donc, comme ceci. Donc, c'est avec des motifs un peu militaires. Je vous mettrai une photo, là, de Mila quand elle le porte. Donc, et ça, je l'ai payé 5€. Ensuite, à Lidl, il y a pas longtemps, il y avait des jouets pour chiens. Et j'ai acheté ça donc à Mila, donc de la marque Nerf. Tout simplement pour tirer. Et ça, je l'ai payé 5€, il me semble. 5 ou 6€. Ensuite, j'ai acheté cette gourde à Jiffy, 4,95€. Et en fait, vous avez un bouton où vous pouvez appuyer dessus et en fait l'eau sort et vous pouvez la faire repartir quand vous n'avez plus soif pour pas gaspiller l'eau. Ensuite, on a acheté un coupe-griffe. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos des choses que j'ai où je peux vous mettre un lien. Tout sera dans la barre d'infos. Donc voilà. Pour le coup griffe, tout simplement 15€ je crois. Et c'est de la marque Pet Pal. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc, sur Croquetland, où je commande les croquettes à Mila, tout simplement, un vermifuge naturel qui s'appelle le vermipur. En liquide, c'est pour les chiots et pour les chiens. De la marque Bifar. Ça, j'ai payé 13€ quelque chose, il me semble. Qu'est-ce que tu veux? Et coucou toi! Ah, maman, elle a tout sorti. Maman, elle a tout sorti. Non, j'ai pas fini. Bientôt. Il manque 4 trucs. J'arrive. Avec maman, ouais, d'accord. Allez, on continue. Ensuite, on a acheté. T'arrêtes, grosse toutouille. Ensuite, j'ai acheté des bottes de protection pour l'hiver, pour s'il neige, parce que l'hiver elle a les coussinets très très fragiles. Donc, j'ai pris pour la taille, pour les deux pattes de devant, c'est du LXL. Comme ceci. C'est pas mon cœur. Donc ça se présente comme ceci. Et pour les pattes arrière, puisque les pattes arrière sont plus grosses que les pattes de devant, j'ai pris les mêmes mais en XL. Ensuite, j'ai pris pour ceux qui le savent, Mila a une dysplasie niveau D des hanches.
Et en fait, je cherche tout ce qui est naturel, le plus naturel possible, en fait, pour la... Bah, en fait, elle a pas mal, mais c'est pour au cas où elle a mal, au moins c'est à l'assonnage, etc. J'ai trouvé de la moule verte. Donc, ça marchait super bien pour la dysplasie des hanches. Donc, je lui ai acheté ça. Donc, ça vient de Nouvelle-Zélande. Et le flacon... Le flacon, j'ai payé 15 euros quelque chose. Et pour terminer, j'ai acheté ceci. Donc c'est un coussin de proprioception, tout simplement. Et ça, je l'ai acheté sur le site de d'Animalin. Et 65 euros, il me semble. Sinon, je vous mettrai une photo là, quand Mila en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!